Nous allons découper un poulet à cru. La technique serait la même pour un canard ou pour une dinde. Nous aurons besoin d'une planche, de plaques à débarrasser, d'un couteau désosseur et de ciseaux à volaille. Nous allons commencer par habiller le poulet en ôtant les ailerons, le bout des pattes. Ensuite, à l'aide du couteau désosseur, nous allons inciser l'aine et décoller la cuisse pour la déjointer. Nous ferons attention de bien garder le solilès. Puis, nous allons lever les suprêmes pour les décoller de leur carcasse. Avant la découpe, visualisez l'anatomie de la volaille. Parez le poulet à l'aide des ciseaux à volaille en sectionnant les pattes et les ailerons. Retirez l'os de la fourchette. Pour lever les pattes, incisez la peau au niveau de l'aine et déjointez l'articulation de la hanche. À l'aide du couteau désosseur, finir de désosser la patte en contournant le solilès pour le préserver. Pour lever les suprêmes, incisez le long du bréchet et décollez la chair de la carcasse. Déjointez l'os de l'aileron et finir de lever le filet. Parez les morceaux de la peau superflue et des tendons pour les pattes.